Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier courrier des abonnés de cette nouvelle année. Alors, est-ce que cette année 2019 va être plus chanceuse que l'année dernière? Ça, on l'espère tous. Surtout moi. Personnellement, je suis pas vraiment sûr que de passer d'une année à l'autre change réellement quelque chose. Souvent, on se rassure en se disant ça parce qu'on a eu une année pourrie, et puis bah, on espère que l'année qui va venir nous apportera joie, prospérité, et bien sûr... Ça serait bien qu'il y ait quand même un des trucs qui commence à se pointer, quoi. Pour la santé, je dirais que ça va pas trop mal. En ce qui concerne la joie et la bonne humeur... Ça, je dirais qu'on s'adapte suivant le jour, et sur toute personne qu'on rencontre. Par contre, en ce qui concerne le pognon... Ça tarde un petit peu à venir. Mais gardons espoir, et puis on va voir ce que donnent ces premiers tickets de l'année. Allez, c'est parti. Comme vous avez pu le constater, on va se gratter aujourd'hui un Eldorado et deux chansons qui m'ont été offertes par Lucie. Et j'espère qu'avec tes tickets, on va faire péter le record de la chaîne. Pour commencer l'année, ça serait plutôt sympa. Et puis pourquoi pas beaucoup plus. Allez, c'est parti pour cet Eldorado où le gain maximum est de 150 000 balles, qui serait plutôt sympa pour débuter l'année. Alors les règles, elles sont simples, hein. On trouve les numéros ici, et puis on essaye désespérément de les retrouver dans cette pyramide Inca. Allez, c'est parti, premier numéro, le numéro 33. Alors par expérience, je sais maintenant qu'on peut trouver plusieurs fois le même numéro, donc sur ce coup-là, je vais faire gaffe. Et le numéro 33, on va le trouver ici, et c'est tout. Alors deuxième numéro, c'est parti, avec le numéro 77 ou 77, qu'on va trouver dans la ligne à 50 balles, donc ça c'est plutôt intéressant, et puis j'en vois pas ailleurs. Troisième numéro, le numéro 42, qu'on va découvrir dans la ligne à 20 balles, et c'est tout. Donc pour l'instant, pas de numéro en double. Alors, quatrième numéro, le numéro 95 ou 95. S95, on va le trouver dans la ligne à 1000 balles. Donc ça, c'est plutôt cool. Cinquième numéro, ouais, je vais arrêter de les énumérer. Le 76 ou le 76. On va découvrir ce coup-ci sur la ligne à 500 balles. Par contre, c'est toujours la merde à gratter ce ticket. Je sais pas pourquoi ils mettent pas toujours les mêmes matières sur tous les tickets. Il y en a, ils sont hyper sympas à gratter. Et puis d'autres... Il faut un burin et une macette. Bon, numéro suivant, le 68. Qu'on trouvera dans notre ligne à 90 balles, ou 90. Ça, c'est un chiffre qui me plairait bien de décrocher aussi. Et puis, si je regarde bien, ben, pas d'autres 68 ailleurs. On y va avec le numéro 89 ou 89, dans la ligne à 10 000. Wow. Voilà ce qu'il me faut. Numéro suivant, le numéro 30. Et on va le trouver dans notre fameuse ligne à 150 000 balles, le fameux lot qui me ferait tant plaisir. On enchaîne avec le 78 ou le 78 dans la ligne à 20 000, pas mal aussi je dirais, et nulle part ailleurs. On continue avec le numéro 50, c'est dommage que ce soit pas le 59, ça aurait déjà fait 9 balles, mais non, il se trouve plutôt dans la ligne à 75 000 ou 75 000. Numéro suivant, le 26, de nouveau dans la ligne à 20 000, est-ce que c'est un signe? Numéro suivant, le 69, un de mes numéros préférés, qu'on va trouver directement dans la ligne à 150 000, et malheureusement nulle part ailleurs. Alors on enchaîne avec le 62 qu'on trouvera dans la ligne à 1000 balles et aussi dans la deuxième ligne à 1000 balles ici. Donc c'est notre premier numéro en double. Putain, qu'est-ce que ça se gratte mal cette merde. À force de gratter, en fait, t'enlèves carrément le numéro. Du coup, tu te pointes avec ton billet gagnant au buraliste, il te dit « Ah bah non, désolé, on connaît pas les numéros. » Bon allez, numéro suivant, le 91 ou le 91, qu'on trouvera dans la ligne à 200 balles. Ah ça aussi, ça serait vraiment cool, quoi. Un petit 200 balles, là. Et puis en cherchant bien, on l'annule par ailleurs. Alors on enchaîne avec le 60, qu'on va trouver dans la ligne des 100 balles, que je convoite depuis des années. Alors est-ce qu'on va réussir à trouver le 56 et le 32 pour avoir ces 100 balles? Il reste quand même pas mal de numéros. Allez, c'est parti, on continue avec le 44, qu'on trouvera dans la ligne à 1000 balles. Et puis là, bah... Attention. 31 pour décrocher un 1000 balles. Alors bah, on croise les doigts et puis bah, tout ce qu'on veut. Et maintenant, bah, le but, c'est de sortir un 31. Allez, go. Un 29. Alors, on n'était pas loin, mais... Et le 29, on le trouvera dans notre ligne à 10 balles. Et c'est tout. Alors, numéro suivant, le 83 ou 83, qu'on trouvera dans une des deux lignes à 1000 balles. Et puis, bah, si on décroche le 31, ça nous ferait en fait 1020 francs, puisqu'on a aussi sur la ligne à 20 francs un 31. Alors, c'est parti. Allez, 31. Ah non, un 13. Non. Le 31 à l'envers, qu'on trouvera dans la ligne à 300 d'ailleurs, un chiffre plutôt cool. On continue avec le numéro 40 dans la ligne à 40 balles justement.
On enchaîne avec le numéro 99 ou 99, qu'on trouvera dans la ligne à 5000 et dans la ligne à 10000. On continue avec le numéro 5 dans la ligne à 10000. Numéro suivant, le 79 ou le 79 dans la ligne à 75000 ou 75000, et c'est tout. Donc pas beaucoup de numéros ont doublé quand même sur Sticker, hein. À part deux numéros, je crois, les autres, nada. Alors on enchaîne, on aura bientôt fini la roue, avec le 24 qu'on trouvera dans la ligne à 30 balles. Ça aussi, ça pourrait être plutôt sympa si on décroche un petit 34, mais j'en vois pas d'autres ailleurs. Alors on continue avec le 41 et j'en trouverai un dans la ligne à 20000 et dans la ligne à 500. Dernier numéro pour la petite roue, parce qu'après il nous en reste quelques-uns dans le centre, avec le numéro 18, on trouvera dans la ligne à 75000. Alors je rappelle quand même qu'on aimerait bien trouver ce numéro 31, au pire le numéro 14, 59 ou 39, voire le 34 et le 56. Alors on continue par le 32. Les enfoirés. Là franchement c'est des poulets. Alors le 32, bah, dans notre ligne à 100 balles, alors là par contre c'est plutôt cool, ça me remonte un petit peu le moral, parce que si on trouve le 56, j'ai enfin mes 100 balles. Et puis j'aurai 120 balles, puisque dans la deuxième ligne à 20 balles, on se rend compte qu'il faut aussi le 56. Et le 32, est-ce qu'on l'a ailleurs? Non. Alors, on enchaîne avec le 54. C'est pas le 56, évidemment, qu'on trouvera dans notre ligne à 300. Ah ouais, ça aussi, ça serait vraiment sympa, quoi. Allez, un 47. Un 47, on le trouvera dans la ligne à 200 balles. Alors, comme d'habitude, il nous offre... moult possibilités. Et puis tiens, on le trouvera aussi dans la ligne là à 1000 balles. Ce qui fait que maintenant, mes deux gains à 1000 francs sont possibles avec le 31 ou le 63. Merde quoi, il pourrait faire un effort. Hein. Allez, on enchaîne avec le 23. Je crois pas en avoir parlé de celui-là. Qu'on trouvera dans la ligne à 75000 balles, ou encore une fois 75000, et puis dans la ligne à 5000. Waouh, deux numéros là. On continue, on se rapproche de la fin, et on a un 21 qu'on va découvrir dans la ligne à 150000 et dans la ligne à 10000. Ce qui fait que maintenant j'ai un espoir possible avec le numéro 28 pour le lot à 10000. Comment savoir des sueurs? Alors, avant-dernier numéro, c'est parti avec le numéro 45 qu'on trouvera dans la ligne à 500 balles. Donc là, ben pareil, plus que le 87 ou le 87 pour décrocher ça. Alors, ben, avant-dernier numéro, le 58 qu'on va trouver seulement dans la ligne à 5000. Et donc, qui nous ouvre un nouveau lot avec le numéro 74. Et là, on décrocherait 5000 balles. Donc, il reste plus qu'un seul numéro à gratter. Franchement, je sais pas pourquoi, mais j'ai peine à y croire. Alors, on y va, c'est parti, et on a le 75. Et le 75, j'avais dit que j'ai même pas envie de le gratter, parce qu'en fait, c'est la merde. Et on va terminer avec ces deux chanceux, donc le numéro 1 et le numéro 7, des tickets qui peuvent nous rapporter jusqu'à 30 000 balles chacun. Mais vu que j'arrive pas à décrocher 2 francs, j'ai un petit peu de peine à croire à ces 30 000. Mais encore une fois, on sait jamais, et puis peut-être que le gros lot, bah, il se cache là-dessous, mais... Bon, allons-y. Alors, le but de ces jeux étant de découvrir le numéro indiqué sur le ticket le plus de fois possible, et donc de remporter les gains qui seront marqués en dessous de ces fameux numéros. Alors, c'est parti, on commence par le 1, puis on parle 7. Allez, go. Alors, 1, 8. Évidemment, je vais m'abstenir de commentaires sur ce coup-là. Alors, on continue avec un 3, et ses petits 50 balles. Et puis, on a un 5. Avec ses gros 10 000 balles. Et puis là, on a un 2 avec son petit 30 balles, mais... Et on aura le 6 avec son magnifique 200 balles. D'ailleurs, 7 moins 1, ça fait 6. Bon, je vais pas vous faire le coup du compte est bon. Hein. On continue à gratter. Bon, là, c'est le compte barre, évidemment. Ici, on aura un 4 avec 3 francs. Suivi d'un 1. Voilà. Avec 3 francs. Dommage, ils se sont gourés tickets à l'impression. Le 1, ils auraient dû le mettre en... Mais bon, qui sait? Il y a peut-être l'un de 1 au-dessus. Hein. Mais je suis presque sûr qu'on va trouver un 7. Alors, c'est parti. Avec un 4 et 1000 balles. Un 3 et 30 balles. De nouveau un 8 avec 5000 balles. Un 2 avec 30 000. Voilà, on frôle le 1. Hein. Un 1, j'ai 30 balles. Alors, je pose la pièce 2 secondes. Le 1, donc 30 balles. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai 30 balles. Waouh, c'est magnifique, quoi. Alors là, franchement, ça fait 10 fois la mise parce que c'est quand même un ticket à 3 francs. Alors là, Lucie, bah, je tape des mains, je dis bravo, parce que là, 30 balles. Pour la première vidéo de grattage de l'année, ben moi je dis, ça commence bien. Alors, il y a peut-être encore un autre numéro 1. Waouh. Alors, je reprends ma pièce, là, je m'essuie un peu les mains. Du coup, je suis tout transpirant. Alors, c'est parti, 30 balles. Oh là là. Alors, un 6. Alors, est-ce qu'ils ont fait la joie de me remettre encore un 1? Non. Mais alors là, franchement, je vais pas me plaindre. Je vais pas gueuler comme d'habitude. Oh, magnifique, quoi. Attends, je le gratte bien tout entier, là, parce que ça, c'est beau quand même. Voilà. Donc, j'ai un numéro 1 avec 30 balles dessus. Alors là, je suis vraiment content. Je dois dire qu'on commence bien l'année. 30 balles, mes amis.
Habituellement, je déconne un petit peu comme toujours, mais je suis vraiment content d'avoir gagné ces 30 balles. Franchement, pour commencer l'année, c'est vraiment top. Alors Lucie, encore une fois, merci à toi. Et puis je vais mettre ça dans la petite boîte avec tous les autres petits gains que j'ai gagnés grâce à tous les courriers des abonnés que vous m'avez envoyés. Et j'ajouterai cette somme à l'argent que j'ai déjà économisé pour me payer mon nouvel ordinateur. Alors encore une fois, merci à tout le monde pour tous ces courriers que vous m'envoyez parce que c'est vraiment génial. Je vous adore. Et pour fêter ça, et surtout pour remercier votre fidélité et votre soutien à la chaîne, on va lancer un petit concours. Alors comme d'habitude, pas de pub pour ce concours, rien d'indiqué dans le titre, parce que je veux que ce soit vous, les plus fidèles à la chaîne, qui ait une chance de remporter ces petits cadeaux. Alors déjà, pour commencer, ce concours il est limité à 90 ou 90 participants, pour une raison simple que j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc surveillez les commentaires, et si vous voyez qu'il y en a plus de 90 ou de 90, c'est que le concours est clos. Évidemment, je répondrai à aucun commentaire tant qu'il n'y en aura pas 90 ou 90. Sinon, le chiffre qui serait indiqué sur les commentaires serait inexact. Et pour participer à ce concours, c'est tout simple. Il vous suffit de mettre un commentaire sous cette vidéo. Et si j'étais vous, je ne mettrais pas un commentaire en rapport avec le concours. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont se contenter de lire les commentaires. Et si vous avez mis un « je participe »,« j'en suis »,« super ce nouveau concours », du coup, ils vont poser un commentaire sans même avoir vu la vidéo. Et le pire, c'est qu'ils vont certainement aussi lâcher un pouce bleu. Alors pour la plupart, ils peuvent pas blairer mon contenu. Mais ce qui les intéresse, c'est les concours. Encore une fois, on peut pas les blâmer. Personnellement, quand il y a un truc à gagner, je tente ma chance aussi. Et une fois que vous aurez posé votre petit commentaire, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu. Mais encore une fois, ça, je vous rappelle que de toute façon, on peut pas le contrôler. Mais au cas où, je vous rappelle que les pouces bleus et les commentaires, c'est bon pour la référence de la chaîne. Voilà, ce concours est maintenant lancé. Et d'avance, je vous dis bonne chance tout le monde. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.